J-20. Normalement, j'ai intitulé cette vidéo correctement. Alors pourquoi J-20? Parce que j'en ai fait des conneries dans ma vie. Mais alors à ce niveau-là, je pense que celle-là, on peut la mettre direct sur le podium. Alors, pourquoi J-20? Parce que nous sommes exactement... Regardez, je vous montre, hein, je vous montre. Donc, autant vous montrer les tontons. Voilà, où est-ce que je l'ai vu, là, là. Voilà, tac. Nous sommes exactement... Alors attendez, je te reprends là. Nous sommes exactement 20 jours avant le Touquet. Hier, avec Steve, il s'est décidé que je mine sur le Touquet normal, ainsi que sur le Touquet vintage. Tout va bien. Le tout sans entraînement. Au niveau des motos, on ne savait pas trop quoi faire. Donc là, normalement, Steve, enfin, je vais en recevoir la validation. Donc, bisous, boss. Donc, avec Steve, ils ont vu via Honda pour me prêter une 250 CRF. Oui, parce que sans entraînement, y aller avec un 450 ou une 500 CRF. À part faire la cible mouvante, tu sais, pour nos top pilotes et pour encore une fois me faire rentrer dedans, on s'est dit, il vaut mieux que tu partes sur une 250. Donc, j'ai la chance de vous annoncer aujourd'hui, même si je pense que cette vidéo normalement sortira après le Touquet, ou avant, je ne sais pas encore comment on verra la chose, que je vais m'aligner au Touquet normal et au Touquet vintage, sans entraînement, sans physique, presque sans moto, puisque à l'heure actuelle, j'ai pas de moto qui roule. Lors de ma fracture des côtes, on a eu visiblement pas mal de choses à faire sur ma 500 CR. Vintage, pardon. D'après ce que m'a dit Steve, il y a pas mal de mécanique à faire puisqu'elle est un peu froissée. La 250 n'est toujours pas arrivée. Enfin, normal, ça vient de se décider. Hein. Donc, je vais l'avoir au dernier moment, je pense. Je vais peut-être l'avoir d'ici une semaine. Donc, normalement, peut-être 15 jours avant le Touquet. Il faudra faire préparer les suspensions. Il faudra essayer de développer, entre guillemets, c'est-à-dire au moins avoir une transmission adéquate. Il faudra avoir essayer de trouver un réservoir parce que là, c'est la galère pour trouver un réservoir. Je pense que je vais essayer de m'en faire prêter un par un des membres du team. Et puis voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe, une préparation à 20 jours de l'Enduropal. Donc ça veut dire se remettre au sport à toc, parce que là, quand je montre entre, comment dire, mon inactivité là pendant un mois, plus le fait que je ne m'étais pas entraîné les mois d'avant, de par le fait que je travaille trop, c'est le mec qui se plaint, il travaille trop, genre ça y est. C'est le mec qui gère le CAC 40. Bah non, fieu, c'est juste qu'il faut charbonner dans le shop, c'est tout, il n'y a pas le choix. Trop de demandes, faut charbonner. Donc du coup, renouvellement de licence, mon poteau. Et puis, bah let's go. Aujourd'hui, les tontos, c'est un jour un petit peu spécial. Pourquoi? Puisque là, je me rends en direction de la concession. J'ai dormi chez Civière, j'ai Damon Martens derrière moi pour une séance de training today. Visiblement, nous aurions reçu ma 250 CRF. Donc là, nous sommes à 2 semaines de l'Enduropal. Voilà. Les suspensions seront peut-être faites la semaine prochaine. Et aujourd'hui, nous irions peut-être chez Doma pour faire une ligne pour la 250. Alors, le but non avoué du boss, c'est pas pour me faire craquer la 250 plus fort. C'est pour me faire un silencieux qu'on pourra remplacer, parce que si jamais je me pointe avec l'origine, on peut être sûr que je vais le broyer en deux. Donc direction la concession chez Wonderbike à Zin-les-Béthunes. On vous reprend là-bas et on voit comment on s'organise. En direct de l'atelier, Tim. Vous savez pas ce que j'ai devant moi? Elle est belle, elle est belle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comme elle est toute belle. Oh, moto neuve, ça fait toujours un truc quand c'est une moto neuve. Bon, allez-y, on la charge et on s'en va chez Doma. J'ai eu mon petit moment d'euphorie avant, parce que moi, je l'ai découvert avant vous. Et chaque fois que je la revois, ça me refait un pouf, 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 pouf. T'entends ce bruit? Donc ce bruit... Putain, je vu. On est chez Doma, les amis. Ça sert plus à rien. On est chez Doma, c'est tout bon. Regardez comme c'est tout bon. C'est tout bon. Ça, c'est à tester. Ça, c'est le boss, il est venu récupérer des pots pour tester chez Doma. C'est le nom que tu m'as dit, ouais, qui a été refaite.
laisse moi reprendre ma respiration. Attends, passe-moi ça. Oh, c'est un truc de fou. C'est compliqué, les gars. Plusieurs mois sans rouler, fracture des côtes. C'est pas simple. Là, j'ai mon teammate qui roule fort, le démon. Attendez. J'essaye d'enlever mon casque à une main. Tiens, prends ça de bon boss. Petit casque de scorpion. Et bah, tiens, le blanc, démon. Et du gars. Maintenant il t'a montré. Va essayer de faire la même chose. C'est un truc de fou, il a pas vieilli ce coup-là. J'essaierai de faire une vidéo de lui avec ma 500, voir ce que ça donne une 500 à bloc. Je vous reprends dans 2 secondes les tontons. Facile. Je suis parti, il y avait le tour avec mon collègue. Ouais, il est très loin. Revenu, mais tranquille. Et en ligne droite, là, je suis à la 4. J'avais essayé un coup la moto à macho, mais j'avais dit je peux pas rouler avec ça. C'était un bout de bois. Ah mais c'est ce qu'il fallait mon gars. C'est ce qu'il fallait. Ah oui, ça sautait, machin, parce que ça sautait et tout. Moi en junior, putain, j'arrivais. Mais comme un bargeau sur le saut. Putain, il manquait un mètre. J'ai dit mais c'est pas possible. Tu te rappelles c'était à Auxerre. À Auxerre. Il y avait une putain de 40 mètres. Une putain de table. Je dis à Mickey, c'est pas possible. Je suis à fond, elle passe pas. Je dis toi, tu passes. Comment tu fais? Il me dit sur l'appel du saut, écoute, c'est facile, tu rentres les cale-pieds juste avant l'appel. Eh putain, j'ai atterri 2 mètres derrière la réception, dans les trous, je me suis satellisé les poignets. Mais j'ai. Oh ouais. Bah ouais, parce qu'on n'avait pas la technique, on roulait comme des cons sur des terrains, ils étaient pleins. Puis ça passait après. Mais moi j'étais trop. Je me rappelle, j'arrive pour moi, j'étais trop. Je te jure. Il y avait le camping-car, la remorque, deux remorques, mais tu vois, les remorques avec les rails, tu vois. Il avait fait un coffre au milieu, machin. Et là, on arrive, bah, une remorque comme ça. Et là, on arrive au circuit, on se gare, et là, ça fait. Ting. La remorque, elle s'était cassée. Ah, on est arrivé, au circuit, elle était cassée. Mon père a trouvé un poste à souder. Un poste à souder, il a ressoudé le truc, tu te rappelles? Marcel, ce grand homme. Ça, c'est un superbe plan du matin, boss. Soleil devant. C'est un super plan. On est en plein entraînement intensif. D'ailleurs, j'ai mon collègue avec moi. Voilà. Là, nous nous rendons à la concession avec les tuches. Nous avons la tôlière à droite pour qui c'est son anniversaire. Happy birthday, boulette! Et nous avons le taulier à gauche. Direction la concession. Bon, les tontons, je vous raconte. Hier, nous sommes allés chez Doma. On avait la 2,5, vous avez vu le plan. On n'avait pas encore rodé la moto était neuve. Donc chez Doma, ils nous ont dit, j'ai oui, nous on n'est pas des branquillons, on va pas juste faire un silencieux, parce que le boss il voulait juste un silencieux pour protéger celui-là tout neuf, il a dit nous on va te faire une vraie ligne. Donc on va déposer la moto une fois qu'elle sera rodée la semaine prochaine, pour qu'il puisse faire... Oh là, c'est pas possible. Ah, douf, putain, c'est pas possible. Pour qu'il puisse faire la ligne. Le boss du coup il est en train de mettre un coup de propre parce qu'on l'a rodé succinctement hier. Donc un petit coup de place, c'est du plastic shine, ça, vu l'odeur. Non, c'est quoi? Cleaner polish. Ah ouais, cleaner polish. Ça, c'est la gamme moto de boutage. Non, on peut l'utiliser sur une moto de cross, ça va très très bien. C'est vrai que ça brille. Ça fait tomber une bouteille. Américain. Cleaner polish. Ça va sur du plastique, de la peinture, du carénage. Donc du coup, ils mettent un petit coup de propre. On va faire une petite photo pour l'annoncer sur les réseaux et pour remercier Honda France, Steve Coquet, tous nos sponsors qui nous suivent. Enfin, merci à vous. Voilà, ainsi que tous nos sponsors principaux et non principaux, on n'oublie pas les petits. Et puis après, du coup, je vais swapper les suspensions qu'on reportera à HRS dans la semaine. Voilà, un grand merci à lui aussi de se plier en 4 pour me faire un jeu de suspension en une semaine du Touquet.
On changera les plastiques pour mettre des plastiques d'entraînement et puis on ira à Longplage. Donc normalement cet après-midi Longplage. Boss il va mettre une carte dedans pour. Une carte, faut que je la fasse, ça se fait pas en 5 minutes. Vous savez que ça commence comme ça, je pourrais te rouler. Donc voilà, allez, on va faire la petite photo les tontons et je vais vous reprendre dans l'atelier une fois qu'on aura swappé les suspensions, jantes, pareil, on va passer en pneu Michelin. Tu penses aller rouler aujourd'hui? C'est le but là, il doit être 11h et quelques. Il est 11h. Il va falloir que tu me files un coup de main. Il faut encore changer les deux roues. Les deux pneus, kit plastique et faire une carte. Et voilà, c'est pas gagné. Allez-y. Le Jos, il est en train de bosser sur la moto. Donc on a swappé, j'ai récupéré les suspensions que j'avais sur mon AF qui ont déjà eu une pré-préparation d'HRS, mais c'est pas encore assez dur. On les passe dessus pour au moins aller rouler la moto. Je vais passer d'anciens plastiques de façon à ne pas abîmer les plastiques neufs pour la revente. C'est toujours mieux. Hein. Pour ceux qui achètent des motos neuves, mettez-les de côté, vos plastiques. Ça permet à la revente qu'elle ait vraiment une belle tête. Donc on passe les suspensions, le kit plastique. Steve fait une carto, mais à mon avis, elle ne sera pas faite avant que je parte. On change les pneus d'origine puisqu'on n'a pas le droit de rouler avec. On doit monter des Michelin usine. Et normalement, c'est tout bon. Voilà. Donc, je vais filer un coup de main à Jos, je vous reprends tout à l'heure. Et ça, les deux vis. Alors, la moto a été rodée hier. Boss, il l'a branchée. Et il a récupéré la map pour en faire une. Comme ça, après, on aura une map dedans. On pourra lui mettre un nouveau kit plastique. Nouvelle déco, elle aura la map qui fait que la moto ne chauffe pas. Bien que pour l'instant, je l'ai rodée une heure, j'ai regardé, elle n'a pas perdu de liquide. On verra bien. Donc là il a enregistré la carto, il fait une map cet après-midi, on testera demain. Alors je sais pas si vous aurez des images aujourd'hui de moi les gars, parce que comme je vais rouler tout seul, demain c'est sûr il y aura style. Il y a bien. Vous vous doutez bien de qui j'ai à côté de moi. Voilà, retour de l'entraînement. Je vous ai mis un petit plan avant, j'en ai qu'un, je suis désolé. Toto, mon poteau Toto était là pour filmer. Bon, le boss, il a fait la map sur la journée. Merci, boss. J'ai dû le tanner quand même pendant une semaine pour le faire. Mais il l'a fait. Il l'a pris ce matin, donc maintenant. Tu m'as pas tanné une semaine, la moto, elle est arrivée il y a deux jours. Ah, si. Je l'ai eu ce matin. Depuis le début, je te dis qu'il faut en faire une. Mais c'est vrai que tu l'as fait sur la journée, c'est exceptionnel. Donc, messieurs, si vous voulez mettre une carto. Toi. Tu muses. Si vous voulez mettre une carto sur les 2,5 CRF, je fais pas son truc à lui. C'est hyper important les carto. Pourquoi? C'est comme un réglage carbu à l'époque du deux temps. Donc si vous voulez pas chauffer, il faut mettre une cartographie d'injection. On le met dans toutes nos 450. Donc là, on va l'injecter dans la 250. Par la prise. Changement de modèle, parce que j'étais sur 450. Par la prise diagnostique. Changement de modèle. 2022. Je disais que je ne te remettais pas la map qu'il y a déjà dedans. Oui. C'est ça en fait que tu as fait ce matin, c'est que tu as exporté la map qui était dedans sur le logiciel HRC. Tu as fait le modif et tu la remets dedans. Voilà. D'accord. Off, c'est bon. Je veux sur full. Tu verras si elle marche mieux demain. On verra. Putain, j'arrive déjà à communiquer avec la moto, c'est pas mal. Oh, et regarde. Elle est écrite dedans. P4, ça c'est bon, c'est fait. Bon bah voilà. Donc nous irons tester demain matin à une plage. Je serai accompagné de Mr. Damon Martens qui vient de se barrer de l'atelier. Ainsi que de. Non, il est dans son atelier. Ah c'est son atelier, mais non, ça y est. Je me fais foutre dehors de chez moi, ça y est. Il travaille en solitaire. Donc du coup on a le Max qui est en train de monter sa moto de course. Voilà, moto toute neuve, il va la roder. Tu la rodes quand celle-là déjà, Max ? Mercredi. Mercredi.
Donc mercredi, il rôde celle-là. Attends, ne bougez pas, je vais couper ça. Allez, Max, il fait balle neuve. Hein, ouais, je vois ça. Moto neuve, ça déconne pas pour le Touquet. Est-ce que tu as vu tes kits déco? Tu parles à moi, boss? Oui, je parle bien à toi. depuis ce matin, il arrête pas de m'en parler. Ça doit le travailler. Ah, donc... Vas-y. Jeudi prochain, il va me dire, j'ai pas mes kits déco. Et il va abuser à les coller au Touquet. Non, mais je te connais. C'est pas faux. Sur ce coup-là, je dois lui concéder. Donc, donc il va falloir que j'appelle Clemens Design. C'est celui qui me fournit mes kits déco. On a le team qui est fourni par Cudvec. Maxime et Damon, ils sont tous les deux par Cudvec. Maxime, Damon et Félix, Cudvec. Ouais. C'est tout, je crois. Et Pagès, Cudvec. Il n'y a que moi qui ai Clemens. Il n'y a que toi qui es Clemens. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc demain, roulage à Louvre entre les mecs. On verra bien ce que ça donne. Nous sommes dimanche matin. J'ai l'impression que la baraque de Steve, c'est une colonie de vacances. Ils sont tous là, les cons. Ils sont là tous à Louvre. Je dors dans le canapé, mais non. Boss, on va où là? Bon, t'as déjà dormi dans le canapé. Oui, c'est vrai, une paire de fois. J'ai dormi partout, en fait, dans cette maison. Même sur un matelas devant la maison, dans mon camion, on comprendra qui pourra. Bon, direction Loun. Aujourd'hui, c'est training avec le team. T'as dit, boss? C'est le vernis qui est parti. Le vernis qui est parti. Confrontation. Un mec qui a recoupé la piste et. Bah, Damon était lancé fond de 4. Vous inquiétez pas, l'amateur va bien. Ce n'était pas moi. Bon, training fini aujourd'hui. Le Max, on l'a filmé aussi, le Max. On va pouvoir mettre des bouts de vidéo de lui. Training fini. Nous sommes donc dimanche. On est à 15 jours du Touquet, enfin un peu moins de 15 jours. Puisque là, on est aux alentours du quoi? On est le 13. Donc le 13 pour le 27, donc il reste un peu moins de 15 jours, puisqu'on devra être sur place à partir du jeudi. Donc voilà, des bonnes sensations avec nos pilotes. Le boss, carrément toi, Damon. J'ai froid aujourd'hui. C'est vrai, là-dessus, les accompagnateurs, chapeau à vous. Putain, parce que nous, on a chaud sur la moto, mais les accompagnateurs, c'est un truc de fou. Merci aux accompagnateurs, aux accompagnatrices, surtout souvent. Bon, ça voilà. Maintenant, direction le lavage. Normalement, on devrait passer chez Doma dans une journée ou deux avec Steve. Puis il y aura re-roulage pour Maxime et Damon mercredi. Enfin voilà. On vous laisse. Mes amis, bonjour. Après ce plan à Loun, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes à Calais. À Calais, on va voir quoi, boss? Dominique. Mister Slegers. Donc Dominique, c'est le boss de Doma Racing. Je l'avais déjà filmé il y a très longtemps. Dominique, il a repris sa marque. Donc aujourd'hui, on va faire un silencieux pour la 250 CRF qui sera monté sur le collecteur d'origine. A noter que dans très peu de temps sera disponible un silencieux à monter sur le collecteur d'origine sur une 450 CRF. Donc pour tous ceux qui auront abîmé leur silencieux du CRF d'origine, il sera disponible chez Doma Racing.
Je vous mettrai l'adresse, etc. Et vous pourrez le commander. Là, ça vient de partir en production, donc ça ne serait tardé. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, on a mis la 2,5 avec les plastiques d'entraînement. Ils vont faire un silencieux sur mesure pour le touquet, ça m'évitera de le satelliser. Et après le touquet, je viendrai passer toute une journée ici pour faire une ligne complète, pour vraiment avoir de la performance. Là, on va gagner un petit peu avec le silencieux, mais c'est surtout le collecteur et la ligne complète qui va faire gagner. Donc voilà. Et le boss, il a ramené... Regardez, je vous montre un petit peu, parce que dommage, c'est pas des branquignoles. Ils ont fait des lignes sur mesure, en fait, pour Daemon, qui sont là. Donc à chaque fois, on les teste à l'entraînement. Avec des formes de collecteurs bien spécifiques, hein, selon ce qu'on veut en termes de comportement moteur, des longueurs de silencieux, enfin, voilà. Sachant que Doma, ça existe depuis très longtemps. Ils sont fabricants de pots, ils assemblent aussi des pots pour différentes marques, enfin voilà. Donc des fois, vous pensez acheter un pot d'une certaine marque, ben non, c'est Doma qui les font. Et ils montent aussi des pots pour les motos en première monte, donc tout ce qui est KTM, KTM, il y a eu aussi du Sherco qui a été monté en première monte, enfin bref, beaucoup, beaucoup de pots. Et là, du coup, ils se remettent à bloc dans le sable, donc ils aident le gang, merci à eux. Donc je vais vous mettre des images pendant que le soudeur, etc., fait un silencieux et que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Devant. Explication. Donc en fait cette machine là elle écarte et celle là elle réduit le diamètre du tube et dans ces deux emporte-pièces là, enfin dans ces deux trous là, il y a des emporte-pièces de cette taille là qui vont soit grossir soit réduire. Donc là ça doit être l'inverse, je vais pas dire de bêtises, de toute façon je reviendrai vous faire une vidéo où ils expliqueront, hein, ça sera hyper intéressant. Et on peut même faire des coniques, vous voyez. Je sais que vous kiffez tout ce qui est industrie comme ça dans le milieu de la moto. Même moi, j'aime bien montrer le côté artisanat dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. C'est bon ? Vas-y. Qu'elle donne la moto déjà. Un bolide. Là c'est vraiment, on a vraiment vraiment une bonne moto. Superbe Bono, c'est un usine ça. Ça c'est une nouvelle méthode. C'est cadeau. C'est pour le souvenir Jimmy. Eh ouais, c'est voilà. Bon, ça. Bon, tu peux faire de la mécanique mon ami le pauvre. Je dois à l'envers. Si ça tombe, ça marche pas dans ce sens là. Faudrait qu'on essaye. Au freinage ça va bien. Il faudrait qu'on essaye. Mais tu la montes à l'envers non. Couronne à gauche. Bah oui, tu la montes à l'envers. Ça l'a perturbé, le gars, il y a une plage ou... Il l'a monté à l'envers. Alors... Non, c'est bon, il n'y a pas de fuite, boss. Non, mais il est à l'envers. Ouais. Bon, trois quarts, ils s'en foutent de ma tronche, ils la voient sans arrêt. Les pauvres. Filme la moto.